Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire
de mort. Nous allons célébrer ce matin la table du Seigneur. Son corps qui a été flagellé, meurtri, blessé pour nous. Et son sang qui s'est répandu à la croix pour nos péchés. Et il dit dans sa parole que toutes les fois que vous vous approcherez de cette table, ce sera en mémoire de moi. Ce matin, tu vas examiner ta vie, tu vas examiner ton cœur. Toi-même, tu connais l'état de ton cœur ce matin. Tu sais dans quel état d'esprit tu es rentré dans cette salle. Et le Seigneur t'invite à prendre sa table, à t'asseoir à sa table. Cette table est le symbole de sa chair et de son sang qu'il a offert à la croix pour nous. Et j'aimerais ce matin qu'en t'approchant de cette table, que tu puisses te souvenir qu'un jour Jésus a souffert. Un jour Jésus a été humilié. Un jour Jésus a payé le prix de ta mort, de ta souffrance, de tes péchés sur lui à la croix. Pour que tu sois libre. Pour qu'en l'acceptant comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu puisses avoir une place dans son royaume. Alors ce matin, tous ceux ou celles qui ont reçu Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur et qui sont passés par les eaux du baptême par immersion, qui sont en paix avec Christ et avec leur prochain, sont priés de se mettre debout. Et nous allons partager le pain et la coupe. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux ce matin te rendre grâce pour ce pain qui est le symbole de ta chair. Je prie dans le nom de Jésus que ce pain soit sanctifié et purifié. Et quiconque en prendra ce matin puisse être restauré et renouvelé dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour cette coupe qui est le symbole de ton sang que tu as donné à la croix pour nous. Merci ce matin pour ta présence et ton amour. Ce sang qui nous donne la liberté et qui nous introduit dans l'éternité. Merci parce que ce sang a crié plus fort que le sang d'Abel. Et ce sang nous lave, nous réconcilie avec toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à partager le pain et la coupe ce matin. Personne sait.
Comme ce chant le dit, j'invite le peuple de Dieu à mimer ce chant. Que chacun se tienne sur ses pieds, si tu peux. Et avec nos mains levées, ça va mimer ce chant que en toi, je m'abandonne tout entièrement. Et dans une seconde, spirituellement, mentalement, et tout ton être est comme l'offrande qui est offerte à Dieu sur un autel par laquelle une bonne fumée, une bonne odeur va monter vers le ciel. Je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Lève tes mains. Là où tu résistes encore à Dieu, que tes mains, comme un soldat capturé, se laisse emporter par celui qui l'a vaincu. Jésus est venu nous sauver. La Bible dit, celui qui est descendu est celui qui est remonté, mais avec des captifs. Sois le captif du Seigneur ce matin. Que ton raisonnement tombe. Que les barrières ethniques tombent. Que les barrières culturelles tombent. Que tout ce qui entrave le bonheur de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu pour ta vie tombe ce matin en levant ses mains. Seigneur, viens et prends contrôle de nos pensées, prends contrôle de nos émotions, prends contrôle de nos vies et gouverne, gouverne. Si ce couplet peut encore être chanté pour une fois, et nous allons écouter la parole de Dieu. Entre tes mains, abandonne-toi. Tout avec nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que sont puissantes pour soutenir chacune des vies.
Tes mains, Seigneur, sont capables de conduire une vie vers sa destinée. Que toute la gloire revienne à toi. Car ta parole est comme une houlette. Et la houlette qui montre le chemin aux brebis. Que cette parole, Seigneur, nous guide vers l'éternité. Sois loué et sois béni. Pour le ministère angélique, pour le ministère de ton esprit qui convainc, béni soit ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Levez-vous. Alors, nous bénissons le Seigneur. Les vacances, ça commence. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. On a l'habitude que le mois de juillet, août, c'est des mois creux. Mais Dieu se réserve toujours un peuple. Même au temps de Élie, Élie pensait qu'il était le seul. Mais Dieu lui a dit, tiens-toi tranquille. J'ai encore des hommes qui n'ont pas pu fléchir les genoux devant Baal qui m'adore quelque part. Donc, même si les frères, les sœurs ne sont pas là parce qu'ils sont en vacances, nous qui sommes là, Dieu l'a voulu. Amen. Et si Dieu nous veut comme ça, nous devons être sensibles parce qu'il veut, au travers de nos vies, toucher encore quelqu'un. Alléluia. Alors, c'est comme ça que ce matin, dans le même ordre d'idées de thème Anakazo, je vais un peu aborder un aspect de Anakazo, sachant que le pasteur Syriac a fait un travail formidable d'enseignement. Et si l'église dit cela veut dire que le sous-thème qu'il a développé, quel était le dernier point du dimanche passé? Mon agenda est là. Si je l'ouvre, je vais voir. Mais j'aimerais un peu échanger avec vous. Vous vous souvenez que le dernier point qu'il avait cité, entre autres, il a parlé de la prière, bien entendu, n'est-ce pas? Après, mais le dernier point, il avait parlé peut-être de trois points, mais le dernier point, c'est aller. Aller. Alors, mais ce matin, qui doit aller? C'est la question que je me pose ce matin. Alors, qui doit aller? On a parlé de différentes formes d'évangélisation, par foule, par révélation, par puissance, par proximité, par œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Et on a vu aussi que le dimanche passé, sans la prière, on ne peut pas évangéliser, n'est-ce pas? Mais toutes ces valeurs, tout cet enseignement, qui peut aller et le faire? Voilà pourquoi ce matin, j'ai noté quelques versets et j'aimerais qu'on réfléchisse. Je ne vous donne pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que vous connaissez, parce que vous lisez aussi la Bible que moi. Mais sachez que le monde nous enseigne. Nous voulons évangéliser, cela veut dire que nous voulons que l'affaire de Dieu augmente, se développe, que le champ se déploie, n'est-ce pas? Mais avant que tu n'invites quelqu'un chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies la maison. Je retiens ce mot. Quoi encore? On arrange les dispositions, les choses. Mais est-ce que sommes-nous prêts à accueillir ceux que le Seigneur amènera? Parce que si même nous partons, la Bible dit que c'est le Seigneur qui ajoute à l'église chaque jour l'âme qui est sauvée. Mais comme nous sommes dans le partenariat avec Dieu, Dieu compte sur chacun de nous.
Mais avant que nous ne recevions ce monde ou ces âmes que le Seigneur voudra bien ajouter à son Église, il faudrait que nous nous préparions. Et chacun doit se préparer. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, on n'a pas les mêmes dons. Mais chacun a sa part, a sa portion. Et chacun doit se préparer dans cette portion qui lui a été réservée. Le Covid est venu nous enseigner comment on doit marquer le sol pour que chacun reste dans sa surface. Mais dans ta surface, il faut aménager. Amen. Le monde nous enseigne de sorte que, vous voyez, dans un pays où il y a des troubles, où il y a des guerres, pour que le pays aille de l'avant, on fait des conférences de quoi? De réconciliation. N'est-ce pas? On fait des conférences pour pouvoir faire participer toutes les forces vives d'une nation. Et par ma voix ce matin, je ne trahis pas le conseil de l'Église, mais j'aimerais que ce point soit souligné à sa juste valeur. Faisons un travail interne. Il y a un chant que les femmes qui ont accepté le Seigneur chantaient à Bangui. Ils disaient, faites toutes les choses sans murmure. Faites toutes les choses sans murmure, ni hésitation, sans murmure, ni hésitation, sans murmure. Mais d'où viennent les murmures? N'est-ce pas? Quelle est la source des murmures parmi le peuple de Dieu? Il peut y avoir des murmures, certes. Parce que nous sommes une société humaine. La manière que je vois, ce n'est pas la manière que ma sœur Henriette voit. C'est ça ton prénom, hein? Ouais. Donc, ça peut être un peu antagoniste, c'est-à-dire force contraire. Mais, pour nous, enfants de Dieu, ça doit être une richesse. Une richesse en ce sens que ce qui n'est pas en moi peut être en Henriette. Et si Henriette est disposée à mettre à mes côtés ce qu'elle a et ce que moi j'ai, si nous conjuguons ensemble, ça fait une force. Amen. Et par rapport au murmure, je dis que les causes des murmures dans une assemblée, parfois c'est des non-satisfactions. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a eu des murmures au temps du peuple d'Israël, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de ce que Dieu leur donnait. Alors que pour Dieu, c'était utile pour eux. Mais l'homme a été toujours insatiable. Les murmures dans une assemblée a pour cause de non-satisfaction. C'était la manière que ça se fait. Je ne suis pas d'accord. La manière que ça fonctionne, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous pensez que ça doit s'arrêter à ce niveau de constat? Non. La Bible nous dit, si quelqu'un voit un frère dans le mal ou dans le péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever, aller vers la personne. Quand quelqu'un se lève pour aller vers la personne, est-ce que quand il va rencontrer la personne en question et parler avec la personne, on peut parler de murmure à ce niveau? On ne peut plus parler de murmure à ce niveau. C'est quand on reste dans son coin, on constate les choses, on parle à notre niveau, sans autant mettre la personne en question au courant. Je ne dis pas qu'il faut faire des dénonciations sauvages. Mais l'amour peut nous pousser à dire, nous aimerions que les choses de Dieu aillent dans ce sens. Nous aimerions que les choses de Dieu se fassent de telle manière. Nous aimerions que les choses aillent
bien. Mais pour cela, j'ai constaté qu'à ce niveau, il y a telle faille. Mais comme vous avez, par exemple, le pasteur Syriac, que moi, que la prophétesse Inès, vous êtes à la reine. Vous avez le bâton de commandement. Mais nous qui sommes à vos côtés, voilà ce que nous voyons. Et nous pensons que si on fait comme ça, ça peut être mieux. Je pense que ce travail doit être de mise parmi nous. Parce que les murmures amènent des clans. Et dans l'église, l'apôtre Paul avait déjà dénoncé. Vous verrez que moi qui suis là, je ne dis pas que je suis aimé. Mais même si la majorité me rejette, il y aura peut-être deux personnes qui diront que non, pasteur Gisler, il était. Là, ça forme deux camps. Or, le corps de Christ n'est pas divisé. Donc, évitons les murmures, évitons c'est des discours politiques que je n'aimerais pas vous tenir. Le clanisme. Ne vous mettez pas dans des sous-groupes. Et encore, je dirais quoi? Jésus a dit, si deux hommes montent à l'église, l'autre s'est habillé d'une manière somptueuse et l'autre avec une tempête. Ceux qui font l'accueil, juste vont distinguer. On dit, la personne qui est bien habillée, on vient l'installer là. Et la personne qui est en tempête, je dis, mon frère, ma soeur, bon, ben, y a un peu de l'escalier là, tu peux te mettre au bout là. Cette façon de faire amène de murmures. De murmures pourquoi? Parce que l'autre se dira que, mais non, mais pourquoi on pense que je n'ai pas de la valeur? Ça peut tuer sa foi, ça peut étouffer sa foi. Et Jésus l'avait dénoncé. Jésus l'a dénoncé en disant, ne faites pas ça dans son royaume ou dans son assemblée. Donc, faisons pas de distinction. Mais ce qui est sûr, dans la vie, il y aura toujours des grands et des petits. Mais parmi nous, faisons très attention qu'il n'y ait pas ce phénomène de catégorisation. Parce que nous tous, nous avons été rachetés à un prix. Le seul prix, c'est le sang qui a été versé pour que toi, tu sois lavé de ton péché, que moi aussi, je sois lavé de mon péché et que j'ai la vie éternelle par ma foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour cela que il y a un verset dans Matthieu 7. Je vais lire ça. Matthieu 7, versets 1 à 5. Matthieu 7, je vais essayer de me discipliner. Le ventilateur, s'il vous plaît. Si vous voulez m'aider. Je suis africain, mais... Merci, homme de Dieu, que ça peut m'arriver. Merci. Voilà. Mon corps ne supporte pas la chaleur, bien que je sois en Europe, mais je transpire toujours. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont l'on vous et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Regardez comment Jésus parle. Aujourd'hui, quand on parle comme ça, on dira que ah ben c'est dur, hein? Mais c'est la vérité. Avant que je souffle dans l'œil de mon frère Syriac, le pasteur Syriac, il faudrait que mon œil soit clair pour voir ce qui est dans son œil, afin de souffler et d'enlever ce qui est dans son œil. Voilà
pourquoi, avant que nous n'allions chercher, est-ce que la paille et poutre, c'est la même chose? Je n'ai pas amené mon ordinateur. Si j'amenais mon ordinateur, j'allais vous projeter là l'image de poutre et l'image de la paille. La paille, c'est pas tellement gros, grosse, mais poutre, c'est parce que le plafond les couvre. C'est des chevrons. C'est des chevrons. Et Jésus dit, si toi qui as encore des poutres dans ton œil, mais tu vois, au lieu de voir le poutre qui est dans ton œil, tu vois la paille qui est dans l'œil de quelqu'un. Non. Arrête-toi. Enlève là ce qui est en toi et tu auras l'occasion d'aller enlever ce qui est dans l'œil de quelqu'un. Si nous ramenons ça parmi nous, ça veut dire que nous devons d'abord assainir notre assemblée. Partant d'une vie individuelle, parce que nous sommes venus, chacun venu de son côté pour que nous formions ce qu'on appelle une assemblée. Et donc le travail doit d'abord être individuel. Et si nous prenons, chacun de nous prend conscience de ses failles, de là où poutre, là, on ne peut pas mettre poutre un gros chevron dans l'œil. C'est une image que Jésus donne. C'est une image. Cela veut dire que quelque chose qui peut entraver ma voie, ma vie, qui peut être un obstacle à mon rayonnement, c'est comme une ampoule. Si on met de la poudre sur l'ampoule qui m'éclaire, ça ne va plus donner sa clarté, sa lumière. Et donc pour que l'ampoule ou la lumière qui m'éclaire me donne sa lumière, il faudrait que la surface soit bien nettoyée afin que la lumière se jaillisse. C'est la même chose nos vies. Parce que Jésus considère nos vies comme une lampe allumée qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau, mais on la met sur le boisseau afin d'éclairer. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important que chacun de nous, individuellement d'abord et collectivement, nous prenons conscience que avant d'aller dans l'opération Anakazo, que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous fasse l'autocritique de sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ce que Jésus a dit. Ensuite, dans cette parole, il parle de l'hypocrisie. Il y a un thème de l'hypocrisie qui sort dans ce qu'il a dit. Il dit au verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors, le terme hypocrisie, dans sa définition simple, je peux apprécier le pasteur Syriac, mais au fond, l'appréciation que je donne de lui, ce n'est pas réel. J'ai une autre compréhension de sa vie, mais ce qui sort de ma bouche et qu'il entend n'est pas la même chose qui est dans mon cœur. Là, c'est l'hypocrisie. Donc, si nous ramenons cela dans notre contexte de d'évangélisation, aussi longtemps que nous-mêmes, on n'est pas encore
de certaines choses, ça sera difficile d'aller parler aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Jésus a dit à Pierre, dans Luc 22, le verset 31-32, nous allons lire. Je crois que c'est après sa résurrection qu'il a parlé à Pierre. 31-32. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand Pierre était auprès de Jésus, il n'était pas converti. Je vous pose la question. Est-ce qu'il était converti ou pas? Il suivait Jésus, non? Mais pourquoi Jésus lui dit ici, Satan l'a accusé, mais lui, Jésus, il a prié pour Pierre. Et lorsque Pierre sera converti, il faut qu'il prenne soin de ses frères. Je me dis qu'on peut être là, mais on n'est pas encore converti. Mais Dieu merci qu'on a un intercesseur là-haut. Cela veut dire que pour que nous parlons de Jésus aux autres, il faut que nous soyons convertis. Et je dis très souvent, quand on parle de la conversion, je prends une monnaie qui est héros. Si je le convertis en CFA, ça ne sera plus héros. Ça deviendra CFA. Ça deviendra dollar. Ça a une autre valeur monétaire. Voilà pourquoi, si nous parlons d'évangélisation, l'homme de Dieu a vraiment abattu un travail colossal. Il a développé. Mais qui Dieu a toujours posé cette question. Hein? Qui ira pour nous? Mais quand Esaïe a dit, mais voici, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à un ange, prends une pincette, prends une pierre enflammée de mon trône, embrase sa bouche. Afin que sa bouche parle de moi. Nos bouches aujourd'hui, ça critique dans tous les sens. Ça critique dans tous les sens. Ben, peut-être la prière que nous devons faire ce matin, c'est de dire, Seigneur, comme tu as fait pour le prophète Esaü, fais-le aussi pour moi. Que la pierre brûlante, ardente qui est devant ton trône, embrase nos lèvres. Alléluia. Alors, Jésus dit, Satan vous a réclamé. Satan nous réclame. Hein? Quand nous irons pour évangéliser, Satan est prêt pour nous réclamer devant Dieu, pour dire non. Tu veux lui parler, mais toi. Et tellement que notre Dieu est juste, il ne veut pas faire à moitié les choses. Il dit non, mais tu as raison, c'est ton domaine. Et Dieu se retire. Et vous pensez que si Dieu se retire de nous, nous sommes capables de ramener quelqu'un dans la maison, de l'extérieur dans la maison, sans Dieu? Je ne pense pas. Parce que Satan est prêt à nous accuser. On l'appelle accusateur. Mais il faudrait que nous fassions de nos mieux pour que Satan ne trouve pas de raison pour nous réclamer devant Dieu. Parce que Dieu se vante de chacun de nous. Parce qu'on a une valeur particulière, chacun de nous, devant Dieu. Et Dieu aimerait coopérer avec nous. C'est avec nous que Dieu marche dans ce monde. C'est avec nous que Dieu
dans la société. C'est avec nous que Dieu marche partout. Mais évitons que Satan trouve l'occasion de nous réclamer. Et s'il nous réclame tellement que Dieu est juste, si Dieu voit que ce qu'il dit est vrai, il va dire, mais ok, c'est ton champ. Vas-y, moi je me retire. Dieu ne discute pas. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Dieu continue à prier pour nous. Jésus continue à prier pour nous. Voilà pourquoi il est dit dans l'épître de Jean, 1 Jean là-bas, petit enfant, n'ayez pas peur parce que vous avez un avocat auprès du Père. Si et seulement si nous reconnaissons des domaines dans lesquels nous sommes encore faibles, susceptibles d'être réclamés par Satan, mais c'est à nous de dire au Seigneur, voilà, à tel point, j'ai encore des failles, aide-moi, prie pour moi comme tu as prié pour Pierre. Et il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, prends soin de tes frères. Et effectivement, quand Jésus est monté, la Bible nous renseigne que c'est Pierre qui a été la première personne pour dire aux autres, vous voulez rester là, prier, mais moi je retourne à mon premier emploi. Quel était son premier emploi? Pêcher. Il est allé pêcher. Et il a entraîné les autres avec lui. Et c'est là où Jésus apparaît au bord pour lui dire, attention Pierre, c'est pas ce que j'attends de toi. Et après cela, Pierre a été aguerri. Et Pierre est celui qui va dire dans Acte 5, considérez-vous-même, est-ce qu'il faut vous obéir que d'obéir à Dieu? Il a lancé des défis devant les gouverneurs. Il dit, si vous voulez m'empêcher de ne pas parler au nom de Jésus, de ne pas prêcher le nom de Jésus, mais allez-y comprendre, moi je ne choisirai pas de vous obéir si vous m'interdisez. Je préfère parler de Jésus, même si vous voulez m'égorger. Et si vous faites encore des curiosités pour aller sur le... C'est une victoire qui a été déjà remportée. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous aimerions bien que le thème de l'année Anakazo soit pratiqué, soit mis en action. Mais qui est propre, qui est disposé, qui est capable d'aller faire Anakazo afin que le diable ne l'accuse pas, afin que le diable ne le réclame pas? Je reviens encore. On peut aussi se préparer selon Matthieu 12, verset 25. Ce verset peut être projeté aussi. 12, 25. Matthieu 12, 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes peut subsister. Si vous êtes d'accord avec ce verset ou pas? Si encore parmi nous des controverses, des divisions, des partis pris, des catégories. Nous sommes divisés, on ne peut pas résister pour pouvoir aller faire l'anakazo. Dieu nous appelle à la communion fraternelle. Cela veut dire que nous devons accepter l'autre. Regardez comment vous êtes assis dans la salle. Quand l'hôtesse d'accueil vous prend à l'entrée pour vous installer, vous ne savez pas auprès de qui on va vous installer.
S'il est question de dire, non, celui-là, je ne l'aime pas, je ne dois pas m'asseoir à ses côtés. Vous pensez que ça doit se faire dans la maison de Dieu? Non. Cela veut dire qu'on doit s'accepter. Cela veut dire qu'on ne doit pas avoir de regard, de dédain à l'égard de son frère ou de sa sœur. Acceptons-nous, parce que Dieu aussi nous a acceptés, tels que nous sommes. Alléluia. Alors, donc, évitons qu'à l'intérieur, cette version parle de confronter, mais il y a d'autres versions, si vous lisez dans vos Bibles, on parle de diviser. Qui a la version divisée? Tu peux lire? Il y en a, c'est ça? Voilà. Comme Jésus connaissait la pensée, il leur dit, tout en est divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ne peut subsister. Pourquoi? Parce que nous sommes sous pression. Le monde nous met la pression. Pour aller évangéliser, c'est aller contre la pression du monde. Mais si on n'est pas unis, si on n'est pas dans la même pensée, si on n'a pas la même détermination, si on n'a pas le même zèle, ça sera des failles. Et si c'est des failles, nous allons, on va pas résister. Comme j'ai vu dernièrement à la télé, la coulée de la boue qui entraînait même des maisons bâties, ça les délogeait comme ça, ça entraîne des voitures et ça va dans le ravin. Mais si nous sommes entre nous, nous sommes unis, nous nous acceptons. Pourquoi? Parce que sachez que nous qui sommes là, quand nous étions nés, personne ne savait qu'un jour, il devait être dans cette assemblée. Personne. Mais sachez que Dieu qui nous a connus avant que nous ne soyons nés savait qu'à un temps T de l'année, nous devons être dans telle assemblée. Et si nous sommes là, ce n'est pas en vain. C'est parce que Dieu sait qu'en nous, il y a des qualités. Dieu a mis en nous des talents. Et nous devons conjuguer avec tous ces talents pour l'avancement du royaume de Dieu. La discrimination, c'est dehors. Pas l'intérieur. Je ne parle pas d'encourager la négligence. Je ne parle pas qu'on doit encourager ceux qui amènent des isalines. Non. Mais nous devons accepter tout cela que le Seigneur nous donne comme des instruments, comme des moyens pour atteindre le but qui est celui de gagner le monde pour son royaume. Alléluia. Ensuite, je tourne la page, j'avais écrit quelque chose. Alors, pour évangéliser, il faut être témoin, n'est-ce pas? Hein? Les autres disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Ils disent qu'ils sont témoins de Dieu auprès de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais qui est témoin? C'est quelqu'un qui a vécu un événement. Alors, pour être témoin de Christ dans ce monde, il faudrait que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. On ne va pas se lever comme ça pour aller parler de Jésus si tu n'as pas une vie d'expérience personnelle avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est que ça renvoie la balle à tout un chacun. Est-ce que depuis que j'ai cru, quelle expérience j'ai fait avec le Seigneur, personnellement, sans compter l'assemblée? Dans l'assemblée, voilà, quand on est ensemble, la puissance du Saint-Esprit peut venir, ça plane, ça touche les autres. Mais est-ce que tu as été déjà touché? Tu vas parler de quelle expérience? Parce que évangéliser, c'est partager ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais si on n'est pas témoin de la vie de Dieu, de quoi parlerons-nous dehors? L'évangélisation est simple. Quand je prie et que le Seigneur m'exauce, c'est autour de
de ça que je peux commencer mon évangélisation. Il faut partager l'expérience que tu as vécue avec le Seigneur. Et quand tu partages cela, pour quelqu'un, c'est pratique, parce que lui aussi, il veut expérimenter. Et tout de suite, il va se lever et dire, ben tiens, je vais aussi aller essayer de voir ce qu'il a, ma soeur a expérimenté, et moi aussi, je veux bien l'expérimenter. C'est comme ça que les gens viennent. Et dans la Bible, les premiers disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? André a dit à Simon, on a rencontré le Seigneur, on a trouvé le Messie dont la Bible parle. Et on a dit, viens et vois. Depuis que tu es là, tu as vu le Seigneur se manifester dans sa puissance, où tu viens tel que tu es et tu repars comme tu étais rentré. Mais si c'en est le cas, tu parleras de quoi? Est-ce que je fais réfléchir quelqu'un? Hein? Parce que l'évangélisation ici, c'est pas... Bon, permettez-moi les Européens. Ce n'est pas comme en Afrique, que tout de suite tu sors dans la rue, tu commences à chanter « Le monde accourt ». Ce n'est pas la même chose ici. Mais beaucoup plus, c'est la proximité. La proximité autour de café, si on voit que tu as une limite que les autres n'en ont pas, ça va attirer l'attention. La personne cherchera à savoir pourquoi tu as cette limite et elle n'en a pas. Et tout de suite, la personne s'approche de toi pour dire, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres? Et c'est une porte que tu pourras lui présenter, ton identité, ce que tu es en Christ. On parle de l'évangélisation. Et si tu ne vas pas prendre le tam-tam, là, allez, ben on va te huer. Mais quand? Parce que nous qui sommes là, nos provenances couvrent Orléans. D'autres viennent de Fleury, d'autres viennent de la Source, d'autres viennent de la Chapelle, d'autres viennent de Saint-Jean de la Ruelle, d'autres viennent de partout. Mais là où nous sommes, si dans nos relations personnelles, on arrive à témoigner ce dont le Seigneur a fait dans nos vies, ça peut être une guérison, ça peut être une délivrance, ça peut être... l'exaucement d'une prière, ça peut être une faveur quelconque que tu as vue de la part du Seigneur et tu peux t'appuyer dessus pour parler de Jésus parce qu'il a fait déjà dans ta vie et tu aimerais aussi, si le veut, l'expérimenter aussi. Et c'est comme ça que le cercle s'agrandit. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Si on est d'accord, essayons de le faire. Mais pour être témoin, il faudrait que nous ne soyons pas étrangers. C'est aussi d'une autre manière, il ne faut pas être étranger à la vie de Dieu. On peut être chrétien, mais on n'a pas la vie de Dieu en nous. Ça peut être un obstacle à l'évangélisation. Parce que l'apôtre Paul a dit... Certaines personnes sont étrangères à la vie de Dieu. C'est-à-dire, ils ne savent pas quelle est la vie de Dieu. On dit bien que la vie de Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est bien. Mais parfois, si tu n'en as pas, si tu n'as pas expérimenté ça, tu ne peux pas témoigner. Moi, j'ai le plein droit de vous témoigner ce matin que si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Là où je ne pouvais pas rester encore en vie, de sa grâce, il m'a épargné. Donc, je peux parler avec beaucoup d'insistance. De l'accident, deuxième accident, le braquage, c'est autre chose. L'accident que j'ai fait, pour moi, l'espoir était perdu. C'était fini pour moi. Les gens pensaient que c'était fini. Mais hier, quand je lisais le commentaire de l'Exode, un auteur qui a commenté un peu l'Exode, il dit, il n'y a que Dieu seul qui a la souveraineté de faire sortir le bien du mal. Quand il faisait allusion à l'aspect de Joseph en Égypte.
Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Donc, ce que Dieu fait dans ta vie, c'est un appui pour toi pour évangéliser avec. On n'a pas besoin de connaître totalement la Bible pour parler de Dieu. Mais quand tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie, ça peut être pour toi un appui pour évangéliser ceux qui sont à côté de toi. Parce que les gens sont en quête de solutions. Alléluia. Je dirais aussi, pour évangéliser, il faudrait que nous soyons sûrs de ce que Dieu dit. Parfois, nous sommes là, dans l'église, mais il y a certaines personnes qui ne croient pas ce que Dieu déclare. Je donne un exemple. Si on parle qu'il y aura un jugement, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura un jugement? Vous qui êtes là. Voilà. Ceux qui disent oui, si vous dites oui avec assurance dans la parole que Dieu a déclarée, vous allez maintenant mesurer le sort qui est réservé à ceux qui n'ont pas cru au nom de Jésus. Et dans cette dynamique, si vous mesurez le sort qui leur sera réservé, parce que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement, vous allez vous préoccuper des âmes qui sont autour de vous. Nous croyons que la Bible dit, celui qui ne croira pas sera fait, sera quoi? Sera condamné. Mais vous croyez que c'est en vain que Dieu parle? Avec ma maman, hier soir, vers 22h, 23h, on parlait de la Bible. Et quand nous parlons de la Bible, elle est tellement intéressée de la manière que Dieu agit. Elle vient de Toulouse, hein, c'est une disciple dans la maison du Seigneur. Et je lui ai dit, mais regarde, la manière que Dieu agit, ça me tourmente et puis ça me fait peur. Dans Genèse 15, je vous ai déjà dit, Dieu dit à Abraham, quand il a amené, il a dit, va-t'en de ton pays, il a amené sur le sol de Canaan. Il lui dit, regarde, le sol sur lequel tu te trouves, je donnerai à ta descendance. Sauf que la descendance que tu auras ira d'abord en captivité pendant 4 siècles. Et après quoi, je jugerai les nations qui les dominent afin de les amener ici. Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Les 12 tribus n'existaient pas encore. Pour la mémoire humaine, ça peut être une page tournée. Effectivement, Abraham était un homme comme toi et moi. A dit à Dieu, mais de tout ce que je fais pour toi là, quelle sera mon récompense? Qui sera mon héritier? Je n'ai pas d'enfant. Comment ça va se passer? Cela veut dire quoi? Il a essayé d'oublier les promesses de Dieu. Il a oublié un peu la teneur de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et c'est comme ça que quand vous lisez encore vers la fin, Dieu dit, je suis El Shaddai. Tout m'est possible. Et c'est comme ça que vers la suite, Sarah donne naissance à Isaac. Et Isaac, Sarah donne naissance à Isaac. Isaac prend Rebecca. Pour qu'il y ait postérité, Rebecca encore tombe stérile. Il faut encore combattre. Et puis, Esaü et Jacob, pour sortir encore, combat dans le ventre. Et c'est comme ça que Jacob est né. Et quand Jacob est né, il donne maintenant naissance à ses 12 tribus. Mais pour que cette parole s'accomplisse, ils doivent encore aller en Égypte et être esclaves en Égypte. Et c'est pas de l'espoir perdu. Humainement, c'est de l'espoir perdu. Mais c'est la voix de Dieu. Et il a fallu que ce peuple passe par Égypte. Et après quoi, aujourd'hui, Israël est sur la terre que Dieu l'avait promise à son grand-père, à son arrière-grand-père. Cela veut dire que si toi tu es d'accord
que ce qui est écrit, ce que tu entends, ce que Dieu dit est vrai. Et un jour, le temps de la grâce dans laquelle nous nous trouvons, comme au temps de Noé, la porte va être verrouillée. Rappelez-vous, Noé a dit, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu qui l'a fermé, si vous lisez bien vos Bibles. Elle veut dire que si nous sommes conscients que Dieu est dans sa parole, que tout ce que Dieu dit va s'accomplir, et il y aura la fin du monde, il y aura le jugement, que le monde ne vous trompe pas, souciez-vous de ceux qui sont vos proches, vos amis, qui sont chers pour vous, parlez-leur de Jésus. Alléluia. Voilà quelques pensées que j'avais à partager avec vous sur le thème Anakazo. Mais je terminerai en disant, nous pouvons le faire. La Bible parle de l'exemple de Daniel. Daniel, il était jeune, comme les jeunes qui sont au fond. La Bible dit, si vous fouillez bien, on dit que Daniel a été emporté à Babylone à l'âge de 12 ans ou 13 ans. C'est des tranches d'âge où il y a des perturbations. Et la Bible dit, quand Daniel est arrivé et qu'on les a choisis, Daniel a fait un choix aussi. Il a été choisi, mais lui aussi, il a fait un choix dans le choix. Quel a été le choix de Daniel? Genèse, quel a été le choix de Daniel? De ne pas manger le mets de la table du... Est-ce que ça s'arrête là? Complétez-moi la phrase, le verset. Complétez-moi le verset. Pour ne pas souiller, mais mettre en souillure par rapport à mon Dieu. Aujourd'hui, on se mélange. On se dit des chrétiens. On se dit des chrétiennes. Mais dans la fête, est-ce qu'il y a des limites? Dans la vie de chaque jour, est-ce qu'il y a des limites? Et pour que les gens sachent le Dieu que Daniel adorait, il a fallu que Daniel se donne des disciplines. Je vous ai parlé des besoins physiologiques. Pour exister, il faut boire, il faut manger, il faut s'entretenir. Mais manger, boire du vin de la table du roi, ça devait nous faire du bien pour qu'il soit au bon point. Mais Daniel a fait un choix. Et ce choix a été un déclic pour que Daniel soit reconnu en tant que tel. Non seulement Daniel, mais son Dieu. Et Dieu voudrait que par toi, dans ton sein, qu'on connaisse le Dieu que tu adores et qu'on dise le Dieu de Jeannette, qu'on dise le Dieu de Paul, qu'on dise le Dieu de Daniel. Pas Daniel aujourd'hui, Daniel a été à son temps, mais d'aujourd'hui. Amen. Je bénis le Seigneur pour ma maman Delphine. Elle rayonne au moins dans son cercle. On dit que l'église de maman là, Dieu de maman là. Pourquoi? Parce que les gens voient l'emblème de sa foi. Cela veut dire qu'elle tient ferme. Elle ne se lâche pas. Voilà pourquoi son entourage dit le Dieu de maman. Mais le Seigneur ce matin voudrait qu'on parle de Dieu de tel. Quel est ton prénom, ma soeur? Oui. Sarah. Ah, mais tu as un prénom qui te demande beaucoup des efforts à faire. Hein? Sarah. Il y a des controverses, mais il faut persévérer et croire à ce que Dieu est capable de faire de ta vie. Et tu vas rayonner encore en donnant une descendance qui va parler de Dieu. Et il faut résister et faire un bon choix. D'accord, Sarah? Qu'on dise le Dieu de Sarah. Amen. Je veux me marier comme Sarah. Je veux être dans un foyer comme Sarah. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelque chose à dire au Seigneur, mettez-nous debout. Oui, mais c'est la première question, c'est de savoir où on doit aller, mais qui doit aller.
J'appelle toujours maman Inès. Venez et chantez encore. Entre tes mains. Tu me vois, c'est toi. Et mes qui m'y a ma soeur. Mes qui après ce chant, nous allons tous prier ensemble. Que tes oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu au travers de ce chant. Que les yeux de ton cœur s'illuminent pour comprendre la voix de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a attiré, ma sœur. Ce n'est pas en vain, mon frère, que Dieu t'a attiré. Pour que tu sois pour lui un sujet de gloire. Eloya Sodiwa. Benoui Kebe Koromo Sadiwa. Shimado Kebia Masoto. Que ta jeunesse honore Dieu. Que ta jeunesse honore Dieu. Entre Oh,